J'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter, ou plutôt vous représenter, une marque de crayon. Il s'agit de la marque Limidix. Alors pour ceux qui me suivent effectivement, vous avez dû voir la miniature et vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait Marianne Elle nous a déjà présenté il y a maintenant plusieurs mois ses crayons. Effectivement, mais je vais vous expliquer. Ce sont des crayons pas chers, hein. vous savez que j'aime bien tester ça sur Amazon, donc je les avais trouvés sur Amazon, mais il y avait deux présentations pour ces crayons. Une simple petite boîte, euh, mais même pas une boîte, on va dire un emballage cartonné, j'appelle plutôt ça, qui était le moins cher, bien sûr, à 17 euros. Et une version box avec une vraie boîte ainsi que quelques accessoires à l'intérieur pour 10-11 euros de plus. Étant des crayons pas chers, certes jusqu'ici j'ai souvent eu des bonnes surprises, mais bon, le but est d'investir le minimum pour un maximum de qualité, en tout cas on l'espère quand on les teste. Euh, ben, j'avais pris la version la moins chère donc vraiment le petit emballage carton et ben, j'avais été obligée de les mettre en trousse hein, voilà et d'ailleurs j'avais voilà, <laughs> gardé vous voyez j'avais trouvé la boîte super mignonne et je râlais de ne pas pouvoir la garder c'était vraiment pas pratique il se trouve que ces petits crayons cette gamme là ben, franchement je la trouve super et euh, bah, je l'ai utilisé quelques fois, je l'aime bien, franchement, je l'aimais bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait Ben là que j'étais sûre de bien l'aimer, je les ai revendus avant de trop les user, franchement, après 2-3 applications, euh, utilisation, pardon, ça suffisait. Je les ai revendus et j'ai acheté le coffret, la box, Limidix, avec du coup la jolie boîte. Et les quelques accessoires que l'on nous proposait, ceux-ci à 27 euros sur Amazon. Et je me dis, bah pourquoi pas faire une, une nouvelle petite présentation de ces crayons parce que franchement, rapport qualité-prix, ils sont très très bien. Donc on n'est plus sur une petite boîte cartonnée toute pourrie, j'ai envie de dire. Je retrouve la jolie illustration, mais sur une boîte en dur sur une boîte en dur. Donc, on va ouvrir et découvrir ensemble le coffret que nous propose cette marque. Parce que vous allez voir, pour 10 euros de plus, on a quelques petits trucs en plus. Voici. Alors, boîte en carton, mais vraiment carton rigide, rien de spécial derrière. Là, on va l'ouvrir ensemble. Ah, on est, voilà, sur une ouverture là aimantée l'entendre alors on nous propose en plus des crayons un petit livret les midix 30 Mandala. Bon, ça peut être sympa pourquoi pas hein. euh alors, ben, le papier n'est pas dégueu, dégueu, bizarrement. Comme euh, a, il est granuleux, une impression de canne-somme fin. Voilà, écoutez quelques mandalas, pourquoi pas. Et voilà, une roue chromatique. Et franchement, quand vous regardez sur Amazon, ben, les roues chromatiques, je voulais euh, m'en procurer une vous êtes euh, allé aux environs des 10 euros. Donc finalement, je me suis dit pour 10 euros de plus, ben, j'ai la roue chromatique et j'ai la jolie boîte que je râlais de ne pas avoir la première fois. Donc elle est vernie. Voilà, à côté de ma main, on est peut-être à une quinzaine de centimètres pour le diamètre. Donc la roue chromatique, pour les personnes qui débutent, permet de faire de belles harmonies de couleurs, de bien choisir vos couleurs, soit dans les camailleux, euh, c'est-à-dire pour vous dégrader dans des couleurs proches, soit en suivant les schémas que vous avez là, partir dans les oppositions. Par exemple, ce vert va aller avec ces violets. En, ça, c'est pour deux couleurs. Pour trois couleurs, vous voyez, vous avez des formes triangulaires. Voilà. Vous suivez soit triangle isocèle, soit triangle équilatéral. Ensuite, avec quatre couleurs, on suit les rectangles. Et du coup, ben, ça vous donne euh, des, des, des palettes de couleurs euh, harmonieuses, on va dire. Là, vous avez les couleurs primaires, secondaires, tertiaires. Enfin, voilà, bon. Ça, c'est à voir à l'utilisation de la roue chromatique, mais en tout cas, voilà, ça, ça sert à bien harmoniser vos couleurs dans vos colos. Et je, ben, je trouvais intéressant quand même d'en avoir une, même si bien sûr vous pouvez les retrouver sur internet. Mais là, au moins, vous euh, voyez, on peut manipuler et faire son petit, son petit truc euh, soi-même. Enfin, bref, le fait est que donc dans ce coffret, on a. Cette roue chromatique. Et, bien sûr, nos crayons. On est sur une boîte où vous voyez, ben vous avez une gomme. Pourquoi pas, une bonne gomme. Un petit taille-crayon. Bon, alors, ça, souvent à éviter. On a des racks. En plastique. Mais au moins ils sont là. Dans la première petite boîte, bien sûr, on n'avait aucun rack. Et nos crayons. Alors, ça s'est un peu décalé là. Hop, hop. Et hop. Normalement, on est sur une boîte de 72 couleurs. On va dire la gamme de base. Ici, on nous annonce 80 couleurs. Alors... Effectivement, il n'y a rien de nouveau, en fait, dans les couleurs. C'est juste que vous avez dû vous en apercevoir. Hop, 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 voilà. Ben, on a des doubles. Il y a des couleurs, voilà. Double, 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 double. <laughs> Triple, le blanc, euh, voilà. Donc... Euh, au final, au lieu de 72, on a toujours 72 couleurs, mais avec quelques couleurs en double. Bon, pourquoi pas bon, Voilà, je ne vois pas vraiment l'utilité, moi, des doubles, mais admettons. On a donc déjà 80 couleurs, une jolie boîte, des racks, gomme, taille crayon, roux chromatique et le petit livret euh, pour euh, pour colorier les mandalas voilà avec des petits mandalas tout ça pour 10 euros de plus 27 euros sur amazon pour ce qui est des crayons ben moi je les avais trouvés jolis euh, seul petit souci bon ben je vois que c'est pareil ici on n'a aucune référence couleur pour faire le nuancier donc, euh, ben, il va falloir que je me casse la tête pour retrouver par rapport euh, voilà, au nuancier que j'avais fait euh, ben, les couleurs et me les classer euh, dans l'ordre que je souhaite dans ma jolie boîte. Cette fois-ci, j'ai une jolie boîte que je peux garder. Donc. Il y a un petit peu de boulot parce que c'est clair qu il va falloir que je reteste, que je recompare pour pouvoir les reclasser à ma façon. Mais franchement, ce sont des petits crayons que j'ai adorés. Euh, si vous démarrez le, le coloriage, ça peut être vraiment une petite gamme très 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 sympa. Je vais arranger. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même les reclasser. Refaire pour le petit pour le plaisir, j'ai envie de dire un colo avec et puis ben, je reviens vers vous une fois que tout ça c'est fait avec ma jolie boîte de crayons Limidix. À tout de suite. Alors me revoici ben, après avoir replacé les crayons dans ma jolie boîte. Alors, voilà. Je me suis appuyée sur mon nuancier. J'ai testé euh, à côté sur une feuille et petit à petit, j'ai retrouvé le même ordre. Puisque je vous rappelle, il n'y a pas de référence sur les crayons. Donc soit vous étiquetez, soit vous classez bien, vous mettez toujours dans le même ordre pour vous y retrouver. Alors, les voici dans un ordre qui me convient. Donc j'ai mis la portion où il y a la gomme et le taille-crayon au fond avec les doubles. Alors les doubles, ils démarrent ici. Nous avons un noir, un violet très foncé, un pourpre, un rouge qui tire vers le rose, un vert, un jaune et deux blancs. Voici les huit doubles. Alors je ne comprends pas trop, il n'y a même pas de bleu. Euh, voilà, j'aurais... Euh, moi, j'aurais peut-être enlevé un des deux et j'aurais mis un bleu. Et peut-être pas deux blancs non plus. Je je comprends pas trop comment ils ont choisi leur double à part le noir et le blanc. Le reste, je ne comprends pas. On dirait qu'ils ont pris au pif. Mais bon, voilà ce que ça donne. Je suis bien contente donc d'avoir de nouveau ces petits crayons dans... Enfin la jolie boîte que je voulais. Donc je vais vous montrer le petit colo que j'ai fait. J'en ai profité, je me suis fait plaisir. De nouveau un petit coloriage avec ces crayons. Alors attendez, hop, voilà. Comme vous voyez, pas de souci pour l'intensité des couleurs. Franchement, j'adore. J'ai pu faire une jolie peau. Euh, ce sont des crayons qui se mélangent bien, plutôt gras. Une mine ni dure ni tendre. Comme je vous dis dans la première vidéo, je confirme. Je pense que c'est, euh, ce sont des crayons euh, mix média, hein, moitié huile, moitié cire avec une majorité quand même de cire. C'est mon ressenti puisque je n'ai pas trouvé l'info. C'est juste un ressenti. Mais vous voyez que les fondus, là, se font très bien pour les dégrader. Franchement, aucun... Aucun souci. J'aime bien, j'aime bien ces petits crayons. Rapport qualité-prix, super. Les cheveux, peau. Ensuite, bon, alors j'ai mis un petit peu de stylo-gel à sa ceinture et autour, là, des petits points dans les étoiles pour que ça brille. Voilà, mais sinon, euh, c'est fait principalement avec ces crayons et euh, ben, j'aime beaucoup. Mon, mon petit coup de cœur est confirmé pour ces euh, pour crayons. Si cette illustration vous plaît, elle vient du livre Bella Futura de Jennifer Zimmerman. La particularité de ce livre, c'est que vous avez les illustrations en double, une partie fond blanc, une partie fond noir. Donc voilà, c'est sympa. La présentation est à venir. En tout cas, pour en revenir à nos crayons, eh ben, ben top, 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 je les conseille franchement aux débutants. Là, dans ce petit coffret, voilà, la boîte est mignonne comme tout. Vous avez des racks ou quand même, voilà, on peut facilement les choper. Bon, les quelques doubles, je comprends pas trop, mais on est sur une gamme de 72 couleurs. Moi, j'estime que c'est le minimum pour éviter d'avoir des manques. En plus, elle est plutôt bien faite. Euh, vraiment, euh, faudrait être difficile pour 72 couleurs. Je trouve qu'on a un petit peu de tout. Super pigmenté, qui se mélange bien, bien couvrant, et, et en plus, donc, dans cette box. Voilà, si on veut s'essayer, les tester, un petit livre de mandala et cette roue chromatique, qui est utile, qu'on débute ou pas, finalement, c'est sympa. Ça peut donner des idées. Euh, des idées de combinaison de couleurs. Voilà, donc vous pouvez retrouver ce coffret Limidix. Actuellement à 28 euros sur Amazon, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. J'espère que cette petite présentation bis, j'ai envie de dire, de ces crayons Limidix vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo, à laisser un commentaire ou des questions, j'y réponds avec plaisir et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore fait pour suivre les prochaines sorties de vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt et en attendant, passez de bons moments colos.